Le skate pour moi, c'est la liberté. C'est-à-dire que je trouve dans la planche à roulettes un bonheur glissant toujours renouvelable. Une sorte de sensation pure. Bah, avant de faire du skate, j'étais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment de passion, toujours très pressé, stressé. J'étais pris dans un tourbillon infernal d'une vie trop fade. Depuis que je fais du skate, ça va mieux, hein. Ça a été vraiment une délivrance, hein, un cadeau. Moi, c'est Jotat, bien dans ma tête, bien dans mon corps, grâce à la planche à bon air. Vous faites des échauffements ? Je comprends pas la question. De la préparation physique ? Ah oui, bah je m'échauffe tous les jours. Il faut s'échauffer avant de pratiquer, hein, sinon on se froisse. J'ai inventé des échauffements. Alors, l'échauffement dit tour Eiffel, qui consiste à sauter et à écarter les bras, plier les jambes, et vous pouvez remarquer que ça fait une sorte de tour Eiffel. Condition physique, pour moi, rime avec muscles, hein. Des bons muscles. C'est un entretien de tous les jours. Tous les jours, c'est-à-dire que moi je me lève le matin déjà, déjà la nuit je rêve de planche. Le matin je me lève, je suis tout seul, hein. je vis tout seul. Bon, je dors donc avec mes planches. Et je vis la planche, hein, 24 heures sur 24, hein, toute la journée. Hein. Et les deux jeunes qui sont avec vous ? Un peu mes deux poulains. Hein. C'est-à-dire que non plus ils sont pas fait intégrer, je sais pas vraiment pourquoi, ils ont peut-être une sale gueule, hein. C'est tout, c'est comme ça, ça arrive, hein. Faut pas se moquer. Bon, on peut dire que autant l'un que l'autre, ils ont pas inventé la poudre, hein. Ça c'est sûr. Mais bon, je leur demande pas ça non plus, juste de descendre, d'avoir du style. Mais ça aussi c'est dur, hein. Enfin surtout pour eux. Donc j'ai pris un peu sous mon aile, ils étaient ouais, rebus de tout ça, quoi. Donc, bon, je leur ai appris à faire de la planche à bonheur et depuis ça va mieux. On parle beaucoup de musique et de skateboard. Vous pensez qu'il y a une relation avec le skateboard ? Tout à fait, il y a une relation qui est directe. Hein, c'est-à-dire que la légèreté qu'il peut y avoir dans ma façon de faire du skate, eh ben, je peux la retrouver dans la façon d'écouter de la musique. Hein, tout ce qui est léger et volatile. La promenade avec votre chien, c'est important. Ça permet de pouvoir faire découvrir un petit peu ma passion aux autres. Déjà, d'une, ça fait sortir mon chien. Mais bon, grâce à ça, je sors dans le quartier, mes voisins me voient, je peux leur donner un petit peu de mon bonheur. Bon, j'adore les enfants, j'essaye de les prendre avec moi pour leur faire découvrir les jouets de la planche. Mes parents sont pas toujours d'accord. C'est pas que ce soit dangereux ou pas, c'est plus... Bon, bah, quand ils me voient arriver, je ne sais pas pourquoi, ils demandent à leurs enfants de rentrer à la maison, donc bon bah je sais pas s'ils ont peur de la planche ou du planchiste. Tu aimes partager ta passion ? J'adore, c'est primordial. Je pense que tous les grands passionnés de ce monde aiment partager leur passion. Ça peut arriver des fois de tomber sur des gens un petit peu étroits, voire faibles d'esprit. Je pense à cette fois où je me promenais avec mon skate et je suis tombé sur une bande de... une bonne bande de loustiques, on peut les appeler comme ça, hein. Bon, une petite altercation, mais bon, c'est pas bien méchant, hein, quand on est entraîné comme moi à la vie dure du skateboard. Est-ce que vous pensez que vous faites partie des grands de ce monde ? C'est sûr.
sincèrement, personnellement, je crois que personne n'arrive à la cheville. Autant bien niveau technique que stylistique, hein, on peut le dire. Devenez comme moi, quelqu'un de bien dans sa tête, bien dans son corps, grâce à la planche à bon air. Que bon, ils voient quelqu'un arriver, qu'ils n'ont pas l'habitude de voir d'habitude, l'habitude fait que l'habitude n'est plus l'habitude, hein, donc, mais qu'est-ce que je raconte?